Coucou à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit vlog puisque aujourd'hui je vais pas aux écuries mais je vais aux eaux de la Tanière, le refuge. Du coup voilà, je voulais vous faire part un petit peu et vous emmener avec moi pour cette journée. Donc j'espère que cette vidéo elle vous plaira, ça change un peu du monde équestre mais je pense que c'est tout aussi bien que des fois on change un peu et qu'on fasse d'autres choses et que ça soit pas tout le temps répétitif au niveau des écuries. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec le générique et la suite de la vidéo. Bah ouais, faut bien t'habituer. Hein. Attends, on aura la maison. Bah, j'ai pas doute, mais c'est pour ça que la mare. C'est ceux-là en fait. Ah, ça, c'est des oies, c'est méchant. Bon. Meilleur site.
Il est trop chou. Le lynx. C'est une femelle. Il est magnifique. Non, il y en a trois. Ah oui, ici maintenant, mais il y a normalement, il y en a trois qui vont arriver. Il y en a un. Oui. La troisième. Non, deux bougies là. Et justement, dans ces 8 espèces, on va pouvoir compter nos ours bruns, comme vous avez ici. Mais il y en a également 7 autres. Alors, je ne vais pas vous les citer, parce que je pense que vous les connaissez quand même, ou que vous en connaissez un petit peu. Donc, ça va être à vous de participer. Alors, je sais que 15h30, c'est l'heure du goûter ou de l'apéro pour certaines personnes. Mais du coup, il va falloir se réveiller un petit peu et de me citer quelques ours que vous connaissez sur notre planète. On est parti. Les ours bruns, ok, ça m'en fait un. Le grizzly. Alors le grizzly, c'est un ours, par contre c'est pas une espèce. Mais j'y reviendrai juste après, donc je peux pas vous le compter. Les ours polaires, super, j'ai entendu ici aussi. L'ours à lunettes, parfait. L'ours à collier, super, ça m'en fait 5. L'ours noir, parfait, ça m'en fait 6. Le Kodiak, alors Kodiak c'est pareil, c'est la même histoire que le grizzly. C'est un ours, mais par contre c'est pas une espèce.
mais j'y reviendrai juste après. Et oui, le panda, super, le panda. Et il en reste deux. Les ours malais, ok. Il en reste un. On a quelques connaisseurs quand même aujourd'hui, c'est cool. Non. Le panda roux, non, le panda roux est tout seul dans sa famille. C'est le piège. Bon, on va récapituler ensemble. Donc on a l'ours brun, que tout le monde connaît, l'ours polaire, que tout le monde connaît également, qu'on appelle plus communément l'ours blanc, l'ours noir, que l'on appelle l'ours baribal, qu'on va retrouver notamment en Amérique du Nord. Et ensuite, on a cinq petites espèces. Donc on a l'ours à collier, l'ours à lunettes, l'ours de Malaisie, donc l'ours malais, l'ours lipu, qu'on appelle également l'ours à miel. Alors pour les enfants, l'ours lipu, c'est notre fameux Balou dans le livre de la jungle. Balou est un ours lipu. Et le dernier, il s'agit bien sûr du panda géant. Donc le panda, lui, fait bien sûr partie de cette famille, que l'on appelle la famille des ursidés. Et dans cette famille, on va compter en tout trois régimes alimentaires. Moi, pour les cacahuètes, je fais pareil. Bon, bah voilà, du coup, je vous retrouve le soir, je suis rentrée. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos avec nous. Je vous invite à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir et ça coûte rien pour vous. Je vous invite à activer la petite cloche pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. À liker si vous avez aimé la vidéo. À la partager. Si des gens peuvent être intéressés pour la regarder. Et n'hésitez pas aussi à me commenter, à me laisser des commentaires pour me dire les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc voilà, sur ce, je vous dis bye et à la prochaine!